Bonjour et bienvenue sur plusbellesmaths.com. À la fin de cette vidéo, vous saurez additionner les fractions entre elles. Alors, si on a une fraction du type 2 tiers plus 6 tiers, la première chose à faire pour additionner une fraction, c'est de voir la différence entre le numérateur et le dénominateur. Le numérateur est ici, voilà, et le dénominateur est ici. On voit que c'est le même dénominateur, ce qui fait qu'on va pouvoir additionner les numérateurs entre eux. Ça fait 8 tiers. La réponse, c'est 8 tiers. On va en faire une dernière. Si on a 3 sur 8 plus 2 sur 4, on va changer le dénominateur entre les deux fractions, ici et ici, et on va multiplier les deux. 8 fois 4, par exemple. Ça va faire 3 sur 8 fois 4 plus 2 sur 4 fois 8. À ce moment-là, on a 8 fois 4, 32, plus 4 fois 8, 32, 2 sur 32. On va avoir 5 sur 32. Alors attention, ça va se compliquer puisque nous n'avons plus le même dénominateur ni ici ni ici. 8, 4, il faut chercher un multiple de 8 et de 4 commun. 8 fois 4, ça fait 32. On va essayer avec 32. Pour cela, on va écrire 8 fois 4. On multiplie 8 par 4 pour avoir 32. Et donc on va multiplier 3 par 4. De la même manière, de l'autre côté, on va écrire 4 fois 8 et 2 fois, on reprend le 8 ici, 8. On continue, ça fait 3 fois 4, 12 sur 32 plus 8 fois 2, 16 sur 32. 16 plus 12, ça fait 28. Sur 32, 28, c'est égal à 4 fois 7. 32, c'est 4 fois 8. Le 4 et le 4, on ne s'en sert plus, ce qui nous donne, ça fait 7 huitièmes. La règle constante à ne jamais oublier en mathématiques, c'est la règle de l'équivalence. C'est-à-dire que si dans cette fraction 3 huitièmes, vous faites 8 fois 4 au dénominateur, vous êtes obligé de multiplier aussi par 4 au numérateur.